Voilà. On va se pencher un petit peu sur la musique. Écoutez ce bruit de flûte à bec que Bidais a fait lui-même. En le mettant dans son cul et en soufflant avec ses fesses. Mais faut que je fasse quoi? Ah ok. Pick up these books. Il faut... Ah ok, c'est... parce qu'à un moment je me disais quel intérêt de ramasser... Mais quel intérêt là, je fais quoi avec mes livres là? Et pourquoi il n'y a que ceux-là qui apparaissent, les autres ils étaient où? Il faut que je fasse quoi? Bookkeeping. C'est simulateur de surveillante de CDI au lycée, non? C'est quoi cette musique? Benjetta, prends-en de la graine. Ça, c'est du bon son. Mais encore, il y a eu l'idée. Putain, faut que je baisse le son dans mon casque, ça me fait mal à la tête, en fait. S'il y avait eu le concept de... Vous voyez, je dois maintenir l'équilibre, alors bon... Il y aurait au moins un semblant d'idée, mais là... Juste, ça me gêne. C'est devant moi, ça m'empêche de jouer correctement. Le mec, il met des trucs qui gênent dans son propre jeu. Mais à la limite, c'est pas ça qui me gêne, moi. Moi, c'est la musique, déjà, c'est l'agression directe, quoi. C'est genre Bidès, tu sonnes chez lui, il a à peine ouvert la porte, il t'a mis un pain dans la gueule quoi. C'est ça, sa musique c'est ça, tout le jeu. Mais non, mais remettre dans les étagères, ce sera avec plaisir, mais il n'y a aucune espèce d'interaction possible. Hein. En gros, son jeu c'est plus ça va, moins ça devient jouable en fait. Mais il n'y a pas de contrepartie fun, vous voyez? Parce qu'un jeu qui devient plus dur avec des handicaps, non, c'est le contraire d'habitude, c'est plus tu joues, plus top grade ton perso. Lui il fait le contraire lui. Tu commences avec un perso full, tu vois, bien, avec tout ce qu'il faut, mais non. Et au fur et à mesure du jeu... Mais c'est même pas en plus comme si je faisais tomber des livres, vous voyez. Si par exemple, je me penchais trop, ça en faisait tomber, il y aurait une espèce de début de challenge. Et ben là, non, même pas. Il n'y a aucun intérêt, en fait, là. Là, je ramasse les trucs, mais... Il n'y a aucun challenge, aucun but, quoi. Puis alors, la collision, des fois, je peux les choper, des fois, je peux pas. Vous êtes prêts? Attention! Attention! Mais c'est une plaisanterie! J'ai fini ton jeu, Bidais! Le minimum de respect que tu me dois, c'est de me remettre sur mon bureau, quoi! Tu mets le mot fin, putain! Ah non, faut que je les range! Attendez, c'est ça? Non, c'est même pas ça. À la limite, ça aurait du sens, vous voyez? Mais non, mais c'est... Mais... Mais non, quoi! Mais Bidais, mais... Mais le foutage de gueule! J'ai tous les livres, quoi, et tu me gratifies pas au minimum d'un game over? Ou d'un décompte de points aléatoire? Mais non, faut pas les amener quelque part, c'est ça les génies du mec, Farod. C'est que le mec, il en a rien à foutre de ta vie. Il veut que tu meurs. Il veut que tu meurs d'ennui, il veut te faire mourir d'une façon originale. T'as ramassé tous les livres, y a pas de sortie. Alors, y a une espèce de truc vert en haut, mais je pense pas que ce soit des portes. C'est le plaisir de t'enculer à sec, quoi. C'est Bidace.